faire des blagues téléphoniques à ses abonnés. L'idée est géniale. Donc du coup, j'ai juste une chose à faire, c'est de demander le numéro de mes abonnés. Et là, vous serez 30 000 à vous dire, mais si tu leur demandes leur numéro, ils vont savoir, tu vas les appeler. Donc du coup, il n'y a plus de surprise. Et c'est vrai. C'est pour ça que j'ai demandé vos numéros de téléphone, oh ben je sais pas, il y a 5 mois. C'était le 6 mars 2016, j'ai posté un message sur Facebook disant « Bonsoir à tous, j'ai une idée de concept à faire en vidéo, et pour une fois, je propose d'abord aux abonnés Facebook plutôt qu'aux abonnés Twitter. » Oui, parce qu'il y a une guerre entre les abonnés Facebook et Twitter. Je vais pas vous expliquer le principe de la vidéo, no spoil, suspense, évidemment, sinon ça a plus d'intérêt. Mais j'ai besoin de vous pour participer, blablabla, envoyez-moi vos numéros de téléphone, voilà. Et il y a eu beaucoup de monde qui m'a envoyé leur numéro de téléphone, et... je ne les ai jamais appelés. Non mais c'est évident qu'ils aient oublié, c'est sûr qu'ils vont oublier. Et de l'autre côté, je suis allé sur Twitter pour leur demander s'ils avaient des idées de blagues téléphoniques à faire, comme ça on mélange les deux univers, Facebook et Twitter, voilà, l'un contre l'autre. Bref, aujourd'hui, je me fous de la gueule de mes abonnés au téléphone, c'est parti. Oui, bonjour, nous vous appelons donc du coup pour vous prévenir que vous allez pas tarder, enfin du moins c'est passé, vous êtes passé hors forfait de votre crédit mobile, vous avez dépassé déjà plus de 30 € sur votre forfait, donc nous vous appelons du coup pour savoir si, du moins de quelle manière nous pourrions vous prélever ça, si c'est directement sur votre compte bancaire ou si vous pouvez venir en boutique, en magasin pour régler ça. Excusez-moi, il y a une erreur parce que je ne suis pas chez Orange. Merde. Vous êtes qui ? Nous vous appelons pour une enquête, tout simplement. Nous essayons de savoir si votre frigo marche. Notre frigo marche, oui. Eh ben, rattrapez-le, parce qu'il va s'enfuir. Allô ? Allô ? Allô, Laurine ? Oui ? Oui, c'est Andrea. Je t'appelle, je suis pas très contente. Apparemment, t'aurais dit des choses derrière mon dos. Oh non ! Please ! Bon, on va la jouer plus soft. On va la jouer plus gentille. Allô ? Bonjour. Oh vous non, êtes sur la messagerie orange de... Oui, bon, Laurine, je rigolais, ça va, t'as pas joué le jeu. Tu m'as raccroché direct au nez. Allô ? Hello, it's me. C'est qui ? Je me présente, je m'appelle Henri. Tu veux que je te dise qui je suis ? Vas-y. Je suis le Batman. On vous avertit que le transporteur ne devrait pas tarder à arriver chez vous. Oui, mais alors moi j'ai rien commandé mon nom. Alors, nous avons une facture au nom de mademoiselle... Peut-être mon père ou ma mère qui a commandé, enfin je sais pas, moi j'ai rien. Hein. Pourtant nous l'avons à ce nom-là, c'est une machine à laver E500 d'une valeur de 1 200 €. Moi j'ai rien commandé. Ah vous devriez peut-être guetter l'arrivée du transporteur. Bah là je suis pas chez moi. C'est quoi l'adresse que vous avez ? Ah c'est le transporteur qui a l'adresse, je ne peux pas la connaître. Ah d'accord, ok. Ça a été payé avec votre compte puisqu'il y a bien écrit... prélèvement bancaire, 1 200 € aujourd'hui même. Mais en fait le truc c'est que j'ai pas de... Enfin je suis même pas sûr d'avoir un compte donc... Ah vous n'avez pas de compte bancaire ? Bah j'ai pas de carte de crédit donc... Ah mais c'est triste la vie qu'on n'a pas de carte crédit. Oui mais j'ai que 17 ans. Ah ben moi à 17 ans j'avais une carte de crédit. Oui mais faut dire ça à mon père. Bon alors je vais appeler ton papa et je vais lui dire « Papa pourquoi tu donnes pas une carte de crédit à Emma ?» C'est pas rude ? Non. Oui, bonjour, ici Didier Rodriguez, police nationale. Nous vous appelons pour une petite enquête, étant donné qu'on a eu un rapport de la part d'Adopi qui nous avait signalé, de votre part, qu'il y avait beaucoup de flux de téléchargement. On aimerait avoir un peu plus de renseignements, si ça ne vous dérangeait pas. Oui, c'est parce que j'ai acheté une nouvelle console et les téléchargements des jeux qui sont sur cette console sont assez lourds. Qui fait que le téléchargement est assez élevé. Vous avez le droit de les télécharger, ces fichiers-là, monsieur, c'est tout à fait légal, donc il n'y a absolument pas de souci. Nous, on est plus dans la prévention, on aurait voulu savoir si vous avez plutôt téléchargé sur Internet des choses comme des films, des séries, des musiques, des mangas, ou même des photos dont vous n'auriez pas les droits, peut-être, monsieur ?
Non, c'est pas... Non. Ah, c'est étrange parce que nous avons un dossier à votre nom sur lequel il y a une série télévisée, mais aussi plusieurs fichiers de vidéos pornographiques, donc on aurait aimé en savoir un peu plus par rapport à ça. C'est des vidéos qui peuvent laisser sur votre navigateur et sur votre ordinateur, même des fichiers, des cookies, ce genre de trucs, donc c'est peut-être ça qui pose le problème. Est-ce que vous regardez des vidéos pornographiques des fois? Oui, c'est possible. Vous avez peut-être regardé des vidéos porno récemment? Il y a un petit moment déjà. Oui, c'était bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Une dernière chose, je vous demande si vous acceptez de passer dans ma vidéo YouTube. C'est une blague, c'est ça? Bah évidemment, c'est une blague. On va pas payer parce qu'on regarde du porno. Qui c'est qui m'appelle? C'est toi, Dark? Non, c'est Farod Games. Farod, oh ça Farod! Oh mon pote. Et oui, tu m'as laissé ton numéro de téléphone sur Facebook. Faut pas faire ça. Moi j'appelle les gens et je les troll à direct. Hein. Je perds pas de temps. Hein. Bon, c'était rigolo, c'était bien. Les dernières, là, elles étaient plutôt sympathiques, j'ai bien aimé. Et il faudra me dire si vous avez aimé. Je sais pas si la vidéo durera longtemps, je pense pas que je vais la faire durer plus de 6 ou 7 minutes. Actuellement, elle doit durer 16 minutes, j'ai rien compris. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire de la vidéo, s'il vous plaît. Et peut-être que dans 8 ou 9 mois, je referai une vidéo de ce style-là. On sait pas, voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bonne journée, bonne soirée, bisous, et ciao.